Et yo, salut à tous, c'est Keys. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus afin de vous raconter tout simplement plusieurs trucs, dont quelque chose d'assez important qui est directement spoilé normalement sur le titre plus la miniature. Avant d'entamer toutes mes petites choses, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu et également à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir et ça aide énormément. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un truc, c'est que je vais vous montrer ce qui s'est passé dernièrement avec la petite team. Et puis après, on parlera tout simplement de l'aventure de compte, hein, comme ça a été dit normalement. Donc, il faut savoir que depuis la fin de Temporis, j'ai repris l'aventure Pandore avec la team. Et j'ai décidé de faire le Dofus Vulbis. Chose que j'ai enfin fini sur toute la team. Donc, pas seulement sur un personnage ou deux, hein, non, vraiment sur toute la team, j'ai actuellement le Dofus Vulbis, donc on peut enfin dire que je suis vraiment optimisé. Actuellement, pour vraiment être optimisé jusqu'à la fin, il me manque plus qu'à changer le stuff de ce Xelor. Donc ce que je vais faire, c'est que pendant que je vais faire l'aventure JH, je vais tout simplement mettre pas mal de conneries en HDV, tout ce qui est ressources qui ne me servent pas, et plein d'autres bails. Par exemple, là on a un Dofus Vulbis en rab, le vendre et autres, afin de gagner pas mal de kama et de changer le stuff du Xelor. J'en ai un précis en tête qui est assez incroyable. Et du coup, ça sera la première chose que nous ferons une fois que nous reviendrons sur Pandore. Et nous referons, enfin, nous vous attaquerons aussi également l'ébène puis l'ivoire. À la base, je devais faire ces Dofus en attendant la potion de Jash. Mais j'avoue que j'ai eu un peu la flemme d'attendre. Et du coup, je vais directement aller sur Jash afin d'amuser un petit peu et de faire une aventure monocompte. Car on en a fait une en 2019 sur l'Izel. Et cette fois-ci, 2020, il y a JH qui est sorti. Du coup, autant commencer dessus afin de se faire kiffer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur mon personnage et sur JH. Donc, à tout de suite. Alors, nous voici sur JH. Donc, bon, normalement, vous avez pu voir la classe sur les miniatures. Je ne vous ai pas trompé. Je joue bel et bien l'héliotrope. Alors, on va mettre ça comme ça. Je joue un petit héliotrope. J'ai déjà quel personnage. Tout est déjà bon. Tout est dessus. J'ai même abonné le compte 6 mois afin de bénéficier d'une petite coiffe qui est ici, et une petite cape objet vivant, je sais plus comment elle s'appelle, mais bref, la dernière qui est sortie afin de pas être trop moche, parce que bon, la panoplie de tofu, piou et autres, c'est pas très joli. Donc j'investis un petit coup avec les kamas de l'officiel. Donc je joue Elio, pourquoi ce choix? Parce que c'est une classe juste formidable. Je pense jouer quand même assez solo. Je joue avec les potes et plein d'autres, les abonnés hauts. D'ailleurs, je vous invite tous et je vous incite même à rejoindre l'aventure. Nous avons une guilde qui n'est pas gérée par moi mais par un des frérots. Donc vous avez juste à le MP lui ou moi. Et nous vous inviterons ici. Clairement tout le monde est le bienvenu. Tant que vous êtes sympa, clairement vous avez juste à me MP ou un MP un des guildes qui est ici et nous vous inviterons. Donc ça c'est à vous de choisir. Et donc disais-je, pourquoi l'héliotrope? Car c'est une classe en solo qui est incroyable. Je sais qu'avec cette classe là je peux faire mes masse solotage en termes de duotage de boss. J'ai eu l'occasion d'en faire son Temporis, bon certes c'est pas les mêmes sorts, mais clairement je connais très bien le gameplay de cette classe et du coup je vais pouvoir faire des choses merveilleuses. Et même pour les quêtes, ça va être tellement plus simple qu'avec une autre classe random que je me suis dit celle-ci c'était clairement le mieux. À la base j'hésite entre SRAM, Roublard, mais Roublard sans Panda c'est pas la dinguerie. Et c'est-à-dire que si le mec joue Panda, il faut qu'il soit connecté en même temps que moi H24, ce qui est peut-être pas la dinguerie. Après je suis pas connecté H24, mais bon faut qu'il soit connecté pendant les heures de stream. Peut-être s'il joue l'après-midi ou quoi, donc c'est pas forcé que ça soit... Enfin, ça n'a pas été franchement fou. Mais si vous souhaitez jouer avec un pote, clairement, Pandaroupe, c'est incroyable. Hein. Mais du coup, l'Hélio était le meilleur choix. Le SRAM aussi a pu être pas mal, mais... Je me dis qu'en contenu Tri-HL, peut-être l'Hélio est au-dessus, contrairement au SRAM. Donc, c'est pour ça que je suis resté dessus. Après, ceux qui vont me demander pourquoi... Enfin, comment jouer mon Hélio, clairement, j'en ai encore aucune idée. Je ne sais pas du tout comment je vais le jouer, ce petit Héliotrope. Je vais peut-être le jouer, déjà je le jouerai pas terre, ça la question ne se pose même pas, je le jouerai même pas terre. Mais ça sera sûrement une voie feu ou une voie eau. Une voie dans tous les cas qui tape distance pour pouvoir taper des monstres level 200 quand j'en ai l'envie afin de prendre quelques niveaux. Imaginons que je suis niveau 42, je souhaite être level 50. Faire des succès c'est mignon, certes c'est incroyable. Mais disons que j'ai une envie soudaine de vraiment level up d'un coup. Hop, je tape un monstre level 200, j'op 45, j'en fais 2-3, hop, c'est réglé. Donc peut-être que la voie feu ou la voie eau peut être beaucoup plus efficace. Car bon, 2 à 5, 1, 6, après, il est vrai que le level 40, on a Brimad, 2 à 4 de portée, c'est pas beaucoup, mais ça fait largement le café. Donc faudra voir, clairement faudra tester. On verra ça plus tard.
toute façon, on va commencer l'aventure ce soir. Du coup, ouais, le jour où la vidéo sort, dites-vous que le soir même, je vais commencer l'aventure. Donc, vous me retrouvez normalement ce soir vers 22h30 sur Jash. On fera les premières quêtes du jeu. On va faire une aventure très simple, très efficace. D'ailleurs, avec cette aventure, bah, vous pourrez tout simplement recréer ce que je vais faire. Si vous souhaitez vous faire des kamas, je vais montrer plein de petites techniques, je pense, afin de se faire des strats tunas assez faciles. Hein. De toute façon, je vais faire quête succès, on va faire de la revente. Beaucoup de craft, je pense. Peut-être monter des métiers, métier de forge magie, bien entendu. C'est un point primordial, je pense, pour se faire des kamas sur un serveur monocompte. Donc, on verra tout ça. Et en gros, le chemin que je vais faire, pour ceux qui souhaitent commencer avant moi, parce que je vais bien sûr publier la vidéo avant, ou même ceux qui vont reprendre après, je vais faire un... Oh, tiens, et en même temps, on va profiter pour faucher. Bon, c'est pas de la triche ou quoi, hein, je commence un petit peu par rapport à ça, car ça fait toujours 2-3 levels de prix. Hop, paysan level 2, on est beaucoup trop fort. Pour ceux qui souhaitent commencer l'aventure avant moi, en gros, je vais faire un chemin très simple, c'est que je vais faire full quête à Incarna, mais full quête à Strub. Très simple, très efficace. Je ferai le diffus Kaot, mais bon, à partir de là, je pense pas qu'en 4 ans, vous faites tout ça. Tout le reste se fera en chemin. Attendez, hop. Merci pour le prêt, mon frérot, bref. Il m'a coupé mince. Du coup, ouais, je ferai ce chemin-là. On va faire pas mal de succès quêtes. J'ai pas encore d'objectif qui a été créé. L'objectif, déjà, c'est d'up niveau 100, mais je sais que je vais beaucoup plus loin. J'aurai la potion de temporiste normalement qui pourrait être transférée sur Jash, qui me fera automatiquement un personnage level 200. Donc en gros, je vais le commencer à cette période-là. Mais si je peux up 1,150 déjà minimum en x1, c'est pas trop galère, c'est level simple. Mais c'est à partir du niveau 180 où là, ça devient vraiment chiant. Le x2, clairement, il va carry énormément. C'est là où je trouve, personnellement, peut-être pas pour vous tous, mais moi, j'ai une grosse perte de motivation. Donc le x2 pourra clairement nous régaler. Je sais même pas, tiens, on va faire un petit tour, on va regarder si il y a des techniques Kama rapides et autres, mais je pense pas. Mais moi, ce que je conseille de faire, c'est déjà monter tous ces métiers-là, hein. Tous les métiers de récolte, clairement monter les. Dès que vous croisez, je sais pas, genre une plante ou quoi, fauchée là, c'est peut-être des Kama de prix, même si c'est pas grand-chose, c'est toujours ça de grignoter. De toute façon, le moindre Kama, il est super important. Bon, métier bricot, je passe, c'est essentiel, mais bon, montez-le quand même. Chasseur, montez-le aussi, ça coûte rien de monter une arme de chasse. Toujours de la viande de grignoter. Les métiers de craft, peut-être pas forcément, mais ce que je conseille aussi, c'est de monter les métiers d'FM. Hein, vraiment, mon métier d'FM, c'est le sang de la veine. Après, bien sûr, si vous pouvez monter les métiers de craft, c'est parce que vous avez farmé comme des petits fous. Vous formez ces monstres-là, vous pouvez crafter des petits items, les briser pour faire quelques runes et monter les métiers d'FM sans pouvoir acheter. Clairement, c'est du pain béni. Je pense faire ceci. Je vais peut-être monter un métier random, sûrement un métier d'amulette, de bijoutier ou de cordonnier. Un métier dans tous les cas qui donne PA ou PM. Afin de grignoter quelques runes pour faire des futures FM. De toute façon, comme je vous le dis, c'est une c'est la base, hein, pour sortir des thunes. Hein. Ah, je voulais chourave. C'est la base pour sortir des thunes. Hein. Que vous faites une amulette 50, par exemple, une amulette, je sais pas, genre Blop, vous avez juste à la FM plus 50, 80 de vitalité. Vous allez déjà retirer un petit bénéfice dessus, clairement. C'est toujours ça de prix. Puis même pour moi, ça m'évite de faire de demander à un random d'FM un item qui me coûte trop, enfin qui me coûte, qui me demande plein de Kama, ce que j'aurais sûrement pas, et surtout qu'il fera peut-être pas le jet que je souhaite. Donc monter ces métiers de FM. Donc je pense que je sais plus trop combien de temps on met, mais je pense qu'on aura pour 2 heures ici un Carnam. On va se faire l'essentiel, toutes les petites quêtes random. Après, on basculera à Astrub, on sera le stuff à Astrub. Je pense que je prendrai pas la peau de Plipiou directement, sauf si je fais une escale en bas. J'aimerais bien voir s'il y a un peu de fer, mais je doute que ce soit tendu. Enfin, je doute qu'il y en ait. Hein. À mon avis, tout le monde doit se courir dessus pour en choper. Putain, ça va être tellement dur de monter les métiers dessus. Faudra vraiment profiter des almanachs, mais ouais. De toute façon, toute l'aventure sera en transcrit, hein, comme je vous le dis. Je vous invite vraiment à nous rejoindre. Ça risque d'être assez fun. Je pense passer un bon mois dessus. Tiens, on va zoner ça. On va voir en combien de temps. Là, on est le 14. Voir dans un mois, le 14 juin, combien nous serons. Si vous avez des pronostics, enfin, quel level je serai. Si vous avez des pronostics, clairement, lâchez-vous. Faites-vous plaisir. Moi, je pense, dans un mois, on est niveau 154, un hélotrope machala, ultra BG. Non, 154 avec un defus pourpre en main, peut-être. Defus émeraude, je le compte pas. Je le compte pas, je le saute. Pas le tutu, mais peut-être le début de fait. Et un stuff assez optimisé. Et en termes de points de succès, je pense qu'on sera environ à. J'avais combien sur temporis en un mois? J'avais presque 10 000, je pense qu'on en aura 6 000, parce que bon, j'aurai pas le même niveau. 6 000 points de succès, ça me paraît pas mal. Sachant que le point de succès seront sûrement le principal apport de mes kamas,
comme je compte en faire essentiellement parce que bon, point de succès égale craft, enfin, succès mob égale craft, donc free item, free brisage, free runas pour monter le métier de FM. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu tout le tour, je vais pas lancer de combat ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien, on fera tout ça ce soir en live. Et puis voilà, du coup, de gros bisous, amusez-vous bien, passez tous une très bonne fin de journée, à bientôt sur l'aventure GH pour ceux qui vont me rejoindre, n'hésitez pas à MP, Kizou, et sur ce, de gros bisous, et à très bientôt, bye!